Préparation Groenland acte 1, raid d'entraînement dans le Sancy. Alors il y a Seb, qui ce matin s'est pris pour le bon roi d'Agobert. Sandro, déjà présent en 2011, qui a toujours le mot pour rire. Alex, vous trouvez pas que c'est le sosie de Samantha, qui est déjà prêt à en découdre. Et Greg? Ben, il est déjà parti, il est toujours en avance, Greg. Mais dis, Greg, t'aurais pas déjà un peu maigri? Alors il faut déjà se faire à ses skis de randonnée nordique, ça c'est pas trop dur. S'habituer à la Pouka, 30 kg ce week-end, mais elle en fera 80 là-bas. Donc sur le plat, pas de problème, tout le monde a compris comment ça marchait. Alors ça tombe bien puisqu'au Groenland nous aurons 95% de plat. Mais nous sommes là pour travailler les 5% restants, alors direction la descente. Alex, nickel. Sandro, ça gère. Seb, ça passe. Greg, ça va aller encore. Mais à chaque problème, il y a une solution et Greg a la sienne. Dans les descentes raides, ce sera à pied. On s'en fout, de toute façon, sur la calotte des descentes, il n'y en aura pas. On file maintenant installer notre premier campement face à la bande d'Ordanche. Un dernier édillon, puis on s'active, le jour est déjà en train de baisser. Alors, distribution du matériel, répartition des tâches, sur fond de mer nuage s'il vous plaît, puis quelques minutes plus tard, casse-croûte, puis coucher de soleil. Et dodo. Pliage de la tente. Rangement des poulkas. S'entraîner à être rapide. Et repartir. Le soleil se lève et une dure journée commence. Des passages de rivière pour symboliser les crevasses. À peine sorti du trou, une bonne côte puis direction les crêtes, avec un autre problème à résoudre. Trop raide pour les poulkas. Une idée? C'est parti. Il faut treuiller. Sur les crêtes, après avoir admiré la vue, entraînement montage de camp, casse-croûte oléophilisée, puis c'est reparti. Direction un nouveau campement.